Grandi à Paris. J'ai d'abord été élevé par ma mère, enfin élevé. J'ai été sous la garde de ma mère. Je sais pas si on peut appeler ça, bon, une mère, mais oui, c'est ma mère. J'ai pas eu l'enfance rêvée, quoi. J'ai pas eu une... C'est un concept dur, là. L'histoire de ma vie, c'est... C'est pas une histoire qu'on entend tous les jours. La souffrance d'un enfant, c'est dur à vivre, mais c'est aussi dur à raconter. C'est dur quand même. Ok. Bon, j'ai une enfance très difficile, sous la garde de ma mère. Elle a eu beaucoup de problèmes d'addiction. Dans la maison sur laquelle on vivait, un petit 20 mètres carrés, la plupart du temps, j'étais seul. Tu avais quel âge? 8 ans. T'as assez jeune, 8 ans. T'es tout petit, 8 ans. Quand j'allais à l'école, la plupart du temps, c'était le ventre vide. Parce que ma mère n'était pas là pour me faire manger. À l'école, j'étais un peu refermé sur moi-même, donc socialement, j'avais pas beaucoup de copains. Personne parle. C'est un film. Ça peut pas être réel d'avoir vécu comme ça. Et c'est dur d'avoir une enfance comme ça. Au bout d'un moment, mon père, il a réussi à récupérer la garde. Et il m'a sauvé, quoi. En fait, mon père, c'est mon héros. Moi, j'ai de la peine de fou pour lui. Ça me fait mal au cœur. Il a eu vraiment une enfance très, 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 très difficile. Il m'a pris avec lui en Israël. Vers l'âge de 14 ans, déjà, j'ai eu un déclic dans ma vie. Un film. Fight Club, je sais pas. Qui a un peu changé ma vie, en fait. Je me suis dit... Pourquoi je m'inventerais pas un personnage? Quelqu'un qui je rêverais d'être. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis créé un personnage. Avec des muscles, avec des tatouages. Josie, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il a confiance. Alors que Jonathan, il est timide, il a peur. Mais c'est lui la vraie star, en fait. Il veut pas le montrer. Et petit à petit, je suis devenu qui je suis devenu. J'ai réussi à être heureux, avoir plein d'amis. J'ai fait de la télé, j'ai signé des contrats pour des marques. Je suis devenu producteur de musique parce qu'en fait, la musique, c'est ce qui m'a permis de m'évader. Et aujourd'hui, je suis ici. Parce que Josie m'a envahi. Il a un peu bouffé le Jonathan que j'étais. Tu sais, j'ai un petit garçon qui s'appelle Axel qui a 8 ans. Et la maman voudrait faire un câlin au petit Jonathan de 8 ans. Lucie, elle est réconfortante. J'ai l'impression d'avoir une mère tout d'un coup.